Allez. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Jungle can perma kill top. Yes. C'est totalement vrai. Ah la Syndra mec. Ouais, non mais. La Syndra il veut pas la méta game. Oh nice. Oh, oh c'est low. Oh c'est low. Bon j'ai l'assist. C'est parfait pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait la Lulu? Ah, je pouvais pas là. Okay, faut que je cours top. La Lulu, je sais pas pourquoi elle s'est placée là, mais. Bah, c'est un bon début de partie en vrai. Hein. Ça me fait un petit proc de chasseur. C'est cool. Par contre, mec, pour aller jusqu'à la top lane, boah. Bonjour. Donc on sait qu'il start top. Enfin bot pardon. Donc top va falloir que je fasse gaffe. J'avoue que j'ai pas osé faire mon flash sur la lune parce que je me suis dit que niveau timing ça allait être short. Quand je vois un pic exotique je donne une chance maintenant. Bah pff, surtout que encore une fois il hein, y a des mecs en top challenger même enfin ou en grand master avec avec Ivern. Alors c'est marrant, tu m'as quand même vu me balader sur la map. Ok ça va 2 sur 3. Il a quand même pris un bouclier de Doran, il a pas grid au niveau des items. Oh, il a pu mettre deux autos, mais pas se plaindre. Il va avoir le niveau 2 avant moi, j'ai pas trop la gestion de la wave. Ouais. C'est dommage, j'allais. En quoi que. Un allié a été tué. Petit proc d'électrocute. FF, thanks. J'ai même quand même posé une ward sur la botlane pour qu'ils aient la vision sur sur le Kayn. Mais j'imagine qu'effectivement. Bon pour l'instant ça se passe très bien au top. Je parle et je me prends ça. Il y a un sale trade. Bien joué. Ah, je veux pas trop décale là. Hein. Je veux pas trop décale, mais le Jack ça n'en avait rien à faire. La passe des... Je te jure, le Panthéon, il a dû dire, mais attends, c'est broken. Je lui ai apporté la meilleure passe. Ouais, c'est un peu nul. Ah, dommage, la wave. Non, je pourrais pas la reprise. J'aimerais bien back à 950 gold si je peux. Aïe. Quelque peu greedy de ma part, j'avoue. Quelque peu greedy. Ok, bon, on va faire un autre shop. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Je vais peut-être refreeze la lane en vrai. Non, je pourrais pas. J'ai un peu trop l'aimé. Tu vois, 19 CS, on est très bien au top. On a un peu d'AP, je vais manquer un peu de CD au début de la game, mais c'est fine. C'est quoi le bail d'Alistar? C'est très bien contre Jax quand ils savent pas jouer, parce que généralement tu joues poigne contre Alistar. Mais les gens savent pas jouer contre Alistar top, donc ils jouent tempo mortel.
Et en gros, en early game, tu dois juste le bolos. Lui, son but, c'est juste de scale jusqu'au profondeur, et après, le profondeur, il est bien. Mais en early, à cette elo, je sais que on est en master avec des 200, 300 LP, un truc comme ça. Je sais que je peux les victimes. Vu qu'en GM, il y en a quelques-uns maintenant qui n'ont pas l'habitude de jouer contre Alista. J'arrive à bien les déchirus. Mais ça m'aide très très bien. Là, tu vois, on a pas utilisé le Z parce que je voulais qu'il utilise son E et que je le bump. Tu vois les damage qu'on lui a mis là? C'est pour lui. Ah, il sait qu'il doit pas aller récupérer CS. Bon, il le prend quand même, mais... Alors celui-là, il était pas beau. Et avec les up qu'il a eu à l'histoire, je trouve qu'il n'y a plus besoin de jouer avec avec Manaflow. Tu vois, je prends la CDR et les brûlures pour pouvoir mettre un maximum de DPS. Je rush, si je peux, la CDR de mes bots pour pouvoir vraiment bien spam. Et après, on aura des combos à mettre en perma. Je pense qu'on met 3 points dans le A, je vais monter le Z maintenant, pour être bien. Et en termes d'item, j'ai l'éternel, je trouve trop bien. Même si bâton séculaire est vraiment pas un mauvais item. Mais un peu plus chiant à mettre en place, quoi. On verra. Mais ça setup très très bien les gants quand on est early game. Et c'est pour ça que des fois j'avais le seum quand mes... Là tu vois, c'est mon mid qui a tilt de mon pick à l'istar, mais c'est pas grave. Le mid, c'est pas lui... C'est pas avec lui que je vais jouer. Parfait, il a claqué son ult. Le but, c'est d'essayer de faire paniquer vraiment au maximum mon adversaire. Attention, ça pue leur jungle par contre, vu comment ils jouent. Genre, c'est pas normal qu'un Jax avec aussi peu d'HP me... Ah non, le Kayn n'était pas là. Autant pour moi. Et en termes de runes, j'ai pris AD, armure MR, vu que c'est un Jax, ça fait des dégâts magiques et physiques. Et tu joues sur une petite vachette à mage en gros. C'est très stylé. Un allié a été tué. Parfait, il me donne un peu d'AP aussi en checkant le bush. Avec mon pourreau. Kayn est topside. On a l'info. Et on continue. Et on essaie de laisser... L'important, c'est de pas être tout le temps en permapush parce que les CD sont longs quand même. Passif qui te régène un peu. En gros, c'est un Gragas low tier. La seule force, vu que je sais pas jouer Gragas moi, c'est de surprendre l'adversaire par un pick où il a vraiment, vraiment pas l'habitude de jouer contre. Merci Narstap. Merci pour le prime. Ah, par contre, ma vitesse d'attaque. Voilà, on freeze la lane. Aïe. Il l'a tanké 20 ans la wave. Oh, le Panthéon est... Le Panthéon est énervé là. Oh, 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 ça a pas touché. Oh. Non, Panthéon, fallait turn. Mort pour mort. Oh, fais chier. Non, elle a pas vu. Oh là 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 là. Oh, le Panthéon a un poil troulé là-dessus. Ouais, ça normal, c'est notre mid, tu connais.
Ah, il a int. GG, we tried. Ouais, tu vois, je me dis, c'est quand même mieux, même à la CDR et tout, que ça apporte. Vas-y, on va partir là-dessus. Taric, j'ai essayé, j'aime bien. Bon, dommage. J'étais en bon gros stomp de top, mais il y a le mid jungle là qui se met bien sur l'action. Le Panthéon a été vraiment gourmand de zinzin. Du coup, il fallait essayer de faire un 1 pour 2, mais c'était déjà pas fou et on a fait un 1 pour 3. Oh, il est en train de hint le Panthéon, il est en train de hint, chat. Oh, y a, il est en train de nous faire perdre la game. La Syndra qui veut FF depuis le début de la game, moi aussi. Il va bientôt avoir le profondeur, le Jack, donc c'est le moment où il va être un peu chiant. Le gameplay chat. Ah, petit flop. Petit flop, petit flop. Et là, t'as vu la CDR du petit père? Ça va bien. Un ennemi a été tué. Ok. Le dire, ton mid et support, comment il fatigue, mec. En plus, ils sont bien, tu vois, mais. Et ouais, ils sont relous. Avec ce match-up est incroyable à jouer. Un allié a été tué. Interruption. Oh, je le tue pas sur ce Z, mais j'aurais quand même dû le proc. Oh, y a toute ma team qui a run down. Est-ce que je dirais mental diff? Oui. Juste boum chat. Boum. En face de lane, il y a très peu de moments ouais, où je fais le combo. Ils sont tous bot side. En fait, si je fais le combo, le mec peut me bump dessus, enfin me jump dessus. Alors que par contre, si je joue juste avec le Z ou le A, je lui mets des damage, je recule, je lui remets des damage, je recule. Et ça se passe bien quoi. Je peux pas rester jusqu'au héros de la fight, c'est du hint. Ok, j'ai mon item, je suis trop bien dans la game. C'est une dingue. Par contre, à chaque fois que je joue à l'e-startup, on perd les games. J'arrive vraiment pas à faire tenir mentalement mon équipe, mais... Il récupère les golds ou pas dans ces cas-là, mon jungle, en ayant posé le héros de la fight comme ça? Je me demande. Bon, en tout cas, il va falloir une côte épineuse. Maintenant, il va falloir que je sois tank là. Tu me donnes envie de dodge des games jusqu'à tomber sur un Jax et pique Alistar. Bah t'as vu, en plus c'est pas très compliqué. Faut connaître un peu le perso, mais un combo et ça passe. Oh, le Alistar. Le Alistar. Là tu vois, par exemple, il va se dire, ok, je peux faire le combo. Non. Bon bah là, j'ai choqué, mais... Il y a le... En gros, dès qu'il met son E, je le rebloque avec l'autre spell et... Oh, j'ai raté mon timing. Oh non. Tiens, la tour. Déchirus. A vous, ça vous met bien quand même de voir un Jack se faire autant bolos alors que le perso est fort dans la bêta. C'est vraiment agréable, je vais pas vous mentir. C'est mon petit pic de kiff. Si je dois jouer top, cette petite... Cette petite joie qu'on a de jouer... Ah ouais, merde. Ok. Bon, j'ai pas pu prendre l'or. Bah...
Et on pouvait le jouer, genre. Non? Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Direct à VFF. Oh là 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 là. Oh le. Le cerveau. Oh oui, flash in. Oh non, le Jax, il en peut plus. Le Jax, il en peut plus de fou. Hein. Il est en train d'exploser. Regarde, 74 CS. En fait, c'est juste ça. C'est qu'en plus, en termes de ressources, il est au fond. Oh ouais, il y arrive pas. Là, ça y est. Là, il est en train d'exploser son cerveau, là. On a le mental div, chat. Dommage, j'aurais pas le kill là-dessus. Ah, elle a pas mis assez de dégâts, mais du coup, j'aurais vraiment pas dû y aller, tu vois. Elle m'a ping back, j'aurais dû. Votre équipe a détruit une tourelle. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. C'est juste, je me suis dit, oh, le combo est parfait, trop bien. Oh, oh si, il faut jouer, là. Ouais, c'est bien, c'est un bon grab. Oh. Non. Dommage. Elle a bien appuyé sur la touche. Ouais, faut que je me casse. Ah, je voulais flash in la Zeri, mais... Non, attention. Il a son TC. Pas son ulti, pardon. Ah, je peux pas trop, là. Faut se casser. My bad. Ok, on récupère la tourelle mid. Ah, le Jax il est vide hein. C'est pour ça que ça m'énerve les 1-1 alors que ma Gabe elle est bien tu vois. Nice. En fait laisse moi montrer un petit peu le truc en plus. T'as un pic qui est chelou, mais genre il a pris 3 ups d'affilée si tu regardes les patchs Alistar. Il a pris de l'armure, des HP, des damage, du coup en mana diminué, enfin. C'est loin d'être mauvais quoi. Bon, ce qu'il me faut c'est encore plus de CDR et surtout plus d'AP. Parfait. Ça tilt aussi en face. La classique, tu connais. Votre tourelle a été détruite. We can call it a mid gap. En vrai, top lane aussi. En vrai, notre jungle aussi, à part le ruin qu'il a fait vers le top side, on avait tout. Enfin, il a ruin top puis bot juste à la suite, mais il fait une bonne game. Elle joue au jeu juste pour être énervé. What the fuck, Kane? Allez hop, t'es muted. Et c'est le genre de monsieur qui disent non, c'est pas la metagame. Frérot, on est plus en 1996. Il voit des singes full roaming, il est en mode ça me dérange pas parce que j'ai déjà vu et c'est viable. Laisse-moi, trust-moi l'histoire. Par contre, je suis bientôt level 13, il est encore niveau 11, hein, le Jax. C'est pour ça que le bâton séculaire il me donne envie des fois, mais la CDR elle est big. Oh, j'ai pas mon ult, pas ma TP, pardon. Merci Jax, mais qu'est-ce qui se passe dans le chat? Ça s'insulte même en haut, let's go! Oh, le grab est bon. Ok, le grab est peut-être pas bon. Ok, le grab est bon. Oh, ça sert à rien, j'arriverai jamais à temps. Allez, nous retournons top lane. Ah, ça passe directement sur la table dès qu'il y a un coréen qui joue, mais c'est pas pareil, c'est un coréen. Il a étudié son pick, il l'a jamais testé avant, genre c'était déjà étudié depuis longtemps. On connaît rien au jeu, on connaît rien au jeu. Attends, je suis peut-être un peu drôle là.
Non. Quoi? Il y a même les damages qui sont partis. My bad. My bad. J'ai fait le pire ulti du monde. Mort totalement mérité. Oh non, on est en train de run down encore. Fuck. Ouais, si, grab-le, grab-le lui. Bah. Oh, il a hésité le blitz. Après, il y a 0 mana, j'avoue. Fin. Ouais, si, c'est un kill. Ouk. Ah, c'est le pire KS, celui-là, il fait mal. J'avoue, il fait mal, il fait mal. Attends, elle a dashin là? Ah ouais, mais enfin, Syndra, si tu... Enfin, je suis désolé, hein, encore une fois, si tu restes... Alistar build is XD. Oui, bah oui, ouais. Évidemment. Ah là, je suis mort 2 fois d'affilée. Ma team vient de faire 2 moves de merde d'affilée aussi. Donc c'est la faute du pick Alistar, chat, évidemment. T'as des conseils de trucs à voir faire en Corée? Oh. Là, les gameplays dépendent vraiment de trop de trucs, genre... Il y a un OTP Tariq, enfin OTP, quasiment OTP Tariq sur le top coréen et c'est pas un truc que je recommande plus que ça parce que c'est très dur à mettre en place. J'aurais pas du flash et tout mais attends mais en vrai, depuis tout à l'heure il y a aucune information qui m'intéresse à part me faire insulter depuis le niveau 1, c'est bon. À un moment donné, où je me concentre sur mon jeu. En scaling, Alistar AP c'est moins bien que Jax, ouais, clairement. J'ai dit c'était le Gragas du pauvre Alistar top, c'est pas un vrai bon pick contre Jax mais c'est un bon pick parce que les gens savent pas jouer contre. Ah, il parlait de lieu. Oh merde, je suis un geek moi frérot, désolé. En vrai, même pas... Je me rappelle plus des noms, mais c'était trop bien. Je me rappelle plus des noms, frère. 3 jours de Tariq top pour mes vacances. Il y a le LOL Park, pox. L'odeur du streamer. Il y a le Kane aussi qui est par là. Soyons amis. On va lui laisser le bleu, je pense. Hein. Ah, il a déjà pris. C'est tôt. Oh, mais c'est beau. Ok. J'ai cru que j'avais ruiné sur le pire combo. En fait, le problème, c'est que je suis nul sur Alistar en plus. Il y a vraiment moyen de step up le truc. Ça a touché. Moi aussi, je veux faire un jump. Oh, la Lulu est totalement outpose encore là. Attention quand même. Oh, elle a détruit le mur. Oh. Un ennemi a été tué. La Jinx a bien cliqué. C'est la seule personne qui insulte pas, mais c'est vrai que j'ai peut-être mute très tôt aussi. Et j'ai mon item. Oh, peut-être que la volonté cosmique est bien quand on est vraiment fed. Je suis en train de me dire, la CD est cool, mais. Coûte cher. Coûte cher, coûte cher. Il me faut de la MR. Je suis en train de réfléchir, mais en vrai, ça serait bien d'avoir des HP, donc ça peut être pas mal ça. Le lithoplastron, c'est peut-être too much. Ah, le Jax est même parti sur un briscoque, c'est parfait. C'est split, hein. Amis pour l'éternité. Parfait. Putain, depuis qu'on a mis tout le monde, c'est quand même plus agréable. Et ça va. Bah, le Massif Abyssal, il serait cool et en même temps, il est loin, je trouve.
Bon, la Syndra aurait pu défendre top, mais... Attends, en vrai, je vais pas lui laisser, tu sais quoi. Ah oui, d'accord, c'est le tilt absolu, là, ce qu'il est en train de nous faire. Le Jax, je t'assure que lui, il est pas en train de se dire « Oh non, le troll pique Alistar !» Il est vraiment... Il est au bout de sa vie, hein. Non, le petit creep. Je vais d'abord finir la... La côté épineuse, histoire d'avoir des points de vie. Il m'en manque un poil. Ah, la Banshee, c'est pas assez rentable sur un personnage corps à corps comme Alistar. Hein. Mais rigolez encore mon pic, vous verrez. Trop bien ce jeu où la communication faut mute tes teammates. Ah bah sinon c'est perdu. Hein. On commence à se concentrer un peu plus sur nos teammates que sur... sur nos ennemis après. Nos teammates sont nos ennemis. C'est une belle philosophie chat. Bof. Bof. Putain, tu me l'aurais cessé lui, on le déchirait. Hein. Ah oui, merde, j'ai oublié la côte épineuse. Oh, je suis mort d'une crise cardiaque. J'allais dire, quand tu persunes, personne ça dégoûte. Persune. Oh non. Oh, la synergie est sad. Après, vraiment, ils peuvent pas trop faire mieux en eux. J'ai envie de faire le Zonia, j'avoue, je le vois, je suis en mode... Oh. Ouais, le Kane, il a reset 40 000 HP. Il a pas mis à l'aise. En fait, c'est pas qu'il est super tanky, il est un peu, mais... Bientôt, quand il aura la Dezen, par contre, ça va être chiant. Nice. Panthéon, des fois il joue pas. Il attend pour faire son combo sur un autre mec, mais du coup il pourrait taper pendant ce timing. Oh. Ok. Ok. Oh, c'est bourbier, mais. Brouillon plutôt. Holy shit. Attention, y'a Kane. Tu vas mourir là, non? Ok, y'a la TP. Je t'assure que ça serait un bienfait pour League of Legends si toute cette ma team se mute pour se concentrer dans la game. C'est une dingue. Dinguerie. Ah, y'a pas grand chose à faire là. Elle est décédée de mort là. Merde, je suis en AFK. En train d'admirer ma team crever. C'est le seul souci que j'ai avec mon pick Alistar, c'est dommage, mais je fais tilt mes teammates alors que... Ça devrait pas, quoi. Et tu vois, même on était devant, ma team voulait FF. Hein. On va vendre ça. Ok. Trinket rouge peut-être, petit pink. Et je suis d'accord que ça fait un build hyper chelou, hein, mais... Franchement... regarde le stuff du Jax. Moi, ce que je dis, c'est on a nullifié un bruiser. Il arrive pas à speed push. J'ai un meilleur perso pour faire des engage. Malheureusement, je les utilise pas très bien, mais on a vraiment de quoi faire le taf. Et j'ai easy. Et en vrai, du coup, je suis en train de me dire, l'itoplastron est pas un mauvais item. Et en fait, armure, MR, shield sur 3000 HP. Dès que tu finis la côte épineuse, ça va en fait. Bon, par contre, le wave clear, c'est un perso de solo queue, hein. On est arrivé à un stade où t'as envie d'avoir une Sunfire quoi. C'est un peu loin ça. Et bon, la Sunfire c'est aussi un item un peu cher. Il y a le Blitzcrank qui est resté, j'étais en mode bah tu veux faire quoi. Il y a le Blitzcrank qui troll. Il y a le Blitzcrank qui troll au loup. Oh là là. J'en ai connu des trop loulous, mais... J'ai pas besoin d'air pour ça.
Oh, le dash de la Zeri, c'était quelque chose. Hein. Let's go. Ça donnerait 15 de CDR en plus, on sera à 95. Pas dégueu. Il meurt. Viens là. Ok, viens pas là. Viens là. Là, je vais tellement vite. La vitesse de déplacement de Zeng Zeng. J'arrive. Ah, joue. Ah, quel plaisir. Bien joué l'équipe. Bon. Ah, et... Faut les mettre en confiance, hein. Et encore, comme je dis, j'ai raté plein de trucs. Mais ce qui m'énerve, en fait, c'est que les gens me flamment parce que c'est le pic Alistar le problème. Alors que non, c'est juste que j'ai été nul. Ça m'énerve. Imagine, je joue juste proprement ma game. Le Jace, vu qu'il connaît pas le match-up. Mais c'est pas une question de jouer proprement ou quoi. S'il connaissait le match-up, pourquoi pas. Mais là, c'est une mise connaissance. Ça me donne un avantage de zinzin. Juste. Miam, 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 les LP. Il y avait que la Syndra de Tilt. Ah oui, t'as pas vu le. Oh, 32. T'as pas vu le Blitzcrank, toi. Mais clairement. Hein. Dès la draft, t'as été en mode non, mais non, troll pick, what the fuck. C'est un main Jax en face. On l'a. Déchirus. Quasiment OTP, genre. Enfin, non, de Trick Pony. Oh, ouais, c'est. Enfin, en même temps. Après, OTP, c'est deux champions. Donc, ouais, non, si. Quasiment OTP. J'ai un adversaire en face de moi qui a pris un champion qui a besoin de pouvoir faire des DPS, du level et tout. Il est totalement derrière. C'est parfait. C'est parfait. Faut report le Kane. Ah oui, c'est vrai, il a lâché des dingues. Attends, mais c'est pas la Sivir que j'ai mute qui a lâché des dingueries aussi. Je l'honore, mais. Et vraiment, j'ai pas joué du week-end, je me suis pas lancé League of Legends du week-end. J'ai enlevé 8 messages d'erreur, enfin d'erreur, de report aujourd'hui. Je me suis connecté ce matin, j'ai fait waouh. J'aurais dû vous montrer en live, je crois que c'est la première fois que j'en avais 8 d'affilée. J'ai fait oh ouais, en 2 jours d'AFK. Juste pas là pendant 2 jours.